sixième journée ce week-end. Lucerne reçoit Auch. Début du match difficile, on a réussi après à imposer notre jeu en fin de première période et ça nous a libérés pour la deuxième mi-temps. Et voilà, après, il nous manque trois petites minutes pour garder ce bonus offensif voilà, qui nous aurait fait plus que du bien. François-Éric casse encore un bon nombre de plaquages pour se frayer un chemin dans la défense adverse et nous offre deux essais. Maya crée la brèche, soutenue par Derieux, qui s'envole dans l'embut. Oui, on connaît très bien cet adversaire de Auch qui est une très belle équipe, qui avait un petit peu de mal sur le début de saison, mais qui est remontée en puissance au fil des matchs. On les craignait très franchement parce que c'est une très belle conquête, une équipe très solide, très, très rugueuse, très combattante, même avec un petit peu de vis qui s'appuie donc sur sa conquête, sur sa défense, qui propose beaucoup de combats. Donc on était prévenus par rapport à ça, il fallait qu'on puisse répondre présent dans ces secteurs. Et ça a été le cas aujourd'hui. Très fier de l'état d'esprit affiché par le groupe aujourd'hui. On attendait une réaction suite au dernier match et provoquer le jeu, se déplacer le ballon. Et c'est ce que les joueurs ont fait aujourd'hui de très belle manière. Il y a eu du contenu, ça a été très intéressant, on a pris du plaisir. On mérite ce point de bonus qu'on détient à la fin. Voilà, après il se passe ce qui se passe. Après, avant le match, si on avait su... qu'on le gagnait 35 à 18, on aurait signé de suite. Mais très satisfait par le contenu du match et par l'état d'esprit affiché. Ouais. C'était la priorité aujourd'hui, la victoire. Après, sur le contenu et la fin du match, on peut espérer à ce point de supplémentaire. C'est un petit peu dommage, mais on va pas être déçu par le résultat d'aujourd'hui. Le bonus en poche à la 77e, il ne reste plus que quelques petites minutes à tenir. Mais pour obtenir ce bonus, les joueurs ont puisé dans les réserves. Un ballon contré et voilà le bonus qui s'échappe. Un peu de confusion, tant tout s'est passé très vite sur la fin de match. Les Nevers-Sois tentent une dernière action, bien poussée par leur public, mais le temps restant sera insuffisant. La victoire, certes, mais le bonus est passé si près.